Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour tous les retours de vendredi, quoi, de jeudi, je sais plus. Non, vendredi et samedi sur la série Ma Petite Valaisie. En tout cas, merci, merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je salue également toute la Farming Family. Et aujourd'hui, dimanche après-midi, quoi, début d'après-midi, on se retrouve justement sur cette série que vous avez vu l'annonce, que vous étiez aussi nombreux à me marquer. Super, super. En tout cas, ça me fait plaisir. Donc, les dimanches valaisans qui, comme je vous ai dit, remplacent un peu le journal vu que j'ai pas trop de contenu. Ah, ben, regardez. Oh, joli petit avion de militaire. Là. La réaction. Donc, je suis sur la map Airsholt. Hein, une grande map. On va commencer par là. Regardez. Voilà. Alors, partie, c'est pas vraiment une série, c'est juste que ça viendra le comment ça le dimanche, hein, juste une petite série de détente qu'on va mettre, comme je vous ai dit ça dans l'épisode de samedi, que je mettais les fabrications et là il y avait des emplacements. Alors j'ai pas tout mis les fabriques pour le moment, hein, du reste. Si on va ici, vous voyez que j'en ai pas mal de fabriques à mettre. J'en ai mis déjà quelques-unes qu'on va aller voir de sitôt. Pour l'instant, on va juste faire un petit tour de la ferme. Vous voyez que c'est très très grand. Là, il y a la maison. Je ne vais pas faire une présentation de la map. Il y a du hangar, ça c'est clair. Ici, il y a les stabules des vaches. Vous voyez qu'il y a pas mal. Ici, c'est pour le stock de patates et de betteraves. Par contre, on met là, mais on récupère où? Ah là, il y a les cochons. Alors, je sais pas où on pourrait récupérer après nos. Là, on vide. Où c'est qu'on récupère? Là, ça doit être une récupération. Vous voyez, il y a tous les petits logos. C'est bien, mais par contre, ouais. Alors, les betteraves, peut-être qu'elles. Est-ce qu'elles viendront? Il faudra tester. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas fait des patates, on en fera. Alors c'est une série qui sortira que le dimanche. Hein. Quoi, c'est pas vraiment comme je le dis une série. Là on peut faire le stock où ça fabrique. Est-ce que ça fabrique? Je ne sais pas. Pour les semences, on voit qu'il y a le petit logo. Peut-être c'est juste un stock. Alors ça s'ouvre. Ouais, c'est pour le stockage. Ici vous avez le fertilisant avec le petit stockage. Par contre, ouais. C'est ici, on verra ça. Alors, j'ai fait le grand champ. Je peux vous dire, on dirait pas, le 29, c'était de l'orge. Et regardez, après, j'en ai eu pour un moment 223 000 litres et des poussières. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai commencé peut-être en fin d'épisode. On ira finir. Bon, j'ai pas fait tout le champ parce que vous verrez, il est grand. De faire des balles. De paille. Nous, on va aller. Où c'est que j'ai mis? Ah, ici. On va aller déjà voir ça. Voilà. Ouh. Je suis arrivé en plein dedans. Hein. Donc, ça, c'est pour fabriquer le sel, je crois. Salt, oui, normalement. Hein, quoi que, ouais. C'est un stockage pour le sel. Et ici, c'est déjà là. La sortie des cochons, donc c'est pour faire, je crois, la saucisse. D'après ce que j'ai, oui, il faudrait que je fasse ça. Nico me le dirait, ouais, c'est les saucisses. Vous voyez que j'en ai mis deux et j'ai mis pour faire les fraises. Qu'on va aller voir, on va aller voir ça. Donc ici, j'ai placé, mais bon, c'est tellement grand, ces fabriques qui prend beaucoup de place. Que vous voyez, il me reste de l'espace, mais impossible de replacer autre chose, parce que vous voyez qu'il y a de la déco avec, et ça doit prendre pas mal de place. J'aurais peut-être dû la mettre, mais c'était le seul endroit où je pouvais la mettre, je pouvais pas la mettre contre les arbres. Je verrai après, peut-être une petite serre ici, on verra ça. Si on va voir, normalement, j'ai ici, voilà, ça c'est aussi pour les saucisses. Alors, il faudra que j'achète du sel pour faire la saucisse, c'est ici qu'on met. C'est pas le stock. Hein. Vous voyez que l'autre truc à saucisse, c'est ici. Il y a le grand magasin. Vous voyez que c'est grand. Et là, ça prend jusqu'ici. Donc là, c'est impossible de remettre. Hein. Du reste, je peux faire le test. On va voir si on peut mettre, par exemple, la distillerie. Ah, j'ai plus assez d'argent. Donc je vais pas pouvoir vous montrer. C'est vrai que il faudrait que j'aie de l'argent. Et ici, ben, j'ai les serres. Alors, c'est des serres de Global Company qui est assez génial. On verra ce qu'il faut. Normalement, ben, c'est de l'eau.
et du fumier, mais vu que j'en ai pas encore, on verra ça. Je sais pas s'il faut. Ouais, ça fait des sommets, il faut du manure et de l'eau, voilà. Donc à la limite, je ne veux pas faire 40 000 tours, hein, c'est à peu près les fabriques pour le moment que j'ai placées. Peut-être que je remettrai à la limite, je ne sais pas combien elles coûtent, les serres, à la limite en rajouter un petit peu. Ça, c'est pour faire des planches, vous mettez le bois ici, et ça sort, mais elles sont emballées. Alors on va essayer. Alors ça, j'ai pas assez d'argent. Alors, par contre, ça, j'ai assez d'argent. Mais vous voyez que déjà, je ne peux plus placer. Vous voyez? À moins que je la tourne un peu. Est-ce que je pourrais placer? Vous voyez? Ça prend. C'est à cause de la fabrique de saucisses. Et alors, vous inquiétez pas, on va en replacer. Hein, ça, c'est clair. Il faut juste que je trouve un terrain adéquat qui est plus ou moins plat. C'est pour ça que j'ai pas pu faire ça sur ma petite Valaisie. Parce que justement. Ça déforme le terrain et puis bah, sur la série de la map que du reste je remercie mon petit Nico qui m'a modifié. Vous savez que vous êtes nombreux à avoir vu le défaut qu'il y a dans les stabules. Ben moi mon petit Nico l'a corrigé. Alors me demandez pas parce que vu qu'on l'a modifié, je vais pas la repasser. Elle reste maintenant ben, privée vu qu'on a modifié cette erreur de tas dans la stabulation quand on donne à manger aux vaches. Merci, merci encore à toi, mon petit Nico. Et me demandez pas, bah, de toute façon, je ne le donnerai pas. Voilà, là, parce qu'on a modifié. Et ici, vous avez la scierie qui est immense. Hein. Mais j'aime bien le cadre. Bon, je suis très fluide. Alors, peut-être les petits PC, à la limite, vous pouvez tourner sur cette map. Elle n'est pas si grosse que ça, mais voilà. Moi, j'ai déjà des petits coups. Alors ce qu'on va faire, nous, on va aller direct ici. Regardez, j'ai pris, bon bah j'ai toujours mon seul tracteur, hein, et j'ai pris la Ferguson. Donc je vais faire des. Alors bien sûr, regardez le champ. On dirait pas hein, sur le PDA, mais j'ai mis un moment même avec la grosse classe et puis la barre de coupe qui fait, elle fait combien la barre de coupe que j'ai? Elle fait 12 mètres. Et eh ben je peux vous dire que j'ai mis du temps à faire le champ, mais ça m'a bien rapporté pour un champ. Qui est juste du début, hein, qu'il n'y avait pas de fertilisant et tout ça, quoi. Donc, on va faire ça, bien sûr. Je vais pas ramasser une à une avec le télescope les balles ici. Je vais prendre un arquebusin, ça c'est clair. On va mettre en route ça. On va faire un peu de balles, hein, comme je dis. Ouf, je vais baisser un peu, voilà le son parce que c'est un peu fort. Et on va finir juste ça. Vous voyez que j'ai pas tout fait, j'ai fait peut-être 4-5 andins. Pour le tour du champ parce qu'autrement bah, je me retrouvais avec peut-être 2000 bottes parce que ça débite. On va peut-être se mettre en vue intérieure, voilà. Donc ouais, cette petite série, j'espère que ça vous plaira. On fera de la fabrique, peut-être que le prochain dimanche on commencera. Il faut que j'achète un camion pour avec l'eau, ce sera plus simple. Il faut que je trouve encore où on peut prendre de l'eau à la ferme ou bien peut-être dans le lac là-bas. Je pense que je suis en train d'en louper. Non, ça va. Ça va. Et vous voyez que le champ, ben, c'est une grosse bosse au milieu. C'est ça qui est bien. On aurait l'impression que c'est tout plat. Ben non, c'est pas plat. Oh, j'ai d'autres champs. Hein. On va pas faire que de la moisson tous les dimanches. On fera, ben, bien sûr, j'ai enlevé le labourage périodique hein, parce que ce serait pas trop intéressant. Je vais pas faire vraiment comme sur la série, ma petite Valaisie. Du réalisme. Alors, on va essayer, c'est plus une série un peu de détente le dimanche, hein, les dimanches valaisans comme je l'ai appelé. Comme ça, on a à la place le dimanche une petite série comme ça. Peut-être qu'on viendra aussi en live sur cette série. Or cette semaine peut-être pas de live. Il faut voir si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait. Vous inquiétez pas. Bon, on approche des fêtes aussi, donc on va faire une pause pendant les fêtes aussi. On verra si je refais un live juste avant Noël. Vous souhaitez des bonnes fêtes en famille. Il reste. Ça approche gentiment. Ça va bien. Bon, ça pas trop du réaliste. C'est vrai qu'il a une puissance classe là. Il faudra voir si je fais un crédit ou vendre un peu des cultures ou faire un autre champ, voir si je pourrais vendre de l'orge, mais l'orge je ne vends pas très très cher. Il faut que je trouve, peut-être dimanche prochain, on placera.
je vais y trouver un terrain d'herbe là. Et je ferai peut-être un crédit pour acheter le terrain. Bon, j'en ai peut-être déjà un. Donc je vais voir s'il est plat, vérifier. Peut-être qu'on bah, tiens, on va faire un peu des balles et puis on va peut-être aller juste en fin de vidéo regarder si on pourrait à la limite. Ou alors on achète les cochons, on les nourrit et comme ça on pourra commencer un peu les fabrications au niveau des saucisses. Des saucisses, des bonnes saucisses de porc. Là j'ai une balle, elle est en plein sur l'andin, il faudra que je l'enlève. Alors ouais, j'en ai encore là-bas à faire, je crois, je suis pas sûr si j'avais déjà fait, mais il faudra ramasser tout ça, ranger ça à la ferme. Alors, on va tourner comme ça. Hop, ça braque bien. Hein. Par contre, je vais aller déplacer la balle là, parce que voilà. Donc, comme je l'ai dit dans l'épisode de ma petite Valaisie, j'ai pas mis le mode saison, hein, parce que. Pensez bien que j'ai déjà une série avec le mode saison, donc on n'avancerait pas. Hein. Dès que là, ben, on peut déjà faire des cultures, tout ça. Donc là, ça sera du gros matos, hein, parce que vous voyez, le champ, il faudra passer le cultivateur, donc il faudra prendre un cultivateur assez large. Comme ça, ça ira plus rapide, et puis un grand semoir. Mais on fera des patates, vous verrez. Et je pense que ça va être vous intéresser parce que c'est vrai que j'ai pas fait trop vraiment ces fabriques. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu prendre une map qui avait déjà comme la Thuringen. Mais la Thuringen, ben, elle n'est pas bien optimisée. Et en plus de ça, ben, je crois qu'il va avoir une mage. Donc, c'est vrai qu'il y avait plein de fabriques déjà dessus. J'aurais pas besoin de placer. Mais j'ai dit, bah tiens, ce sera intéressant de faire une série comme ça. En détente. Donc on va faire ça et je vais pouvoir faire un grand épisode. C'est plus un peu une présentation. Bon, bien qu'on travaille déjà. Bon, si j'en loupe un peu, ça fait rien. On commence déjà à travailler, mais je pense que avant de placer peut-être d'autres, hein, il faut faire un peu d'argent et à la limite il faut acheter des cochons. Bon, je peux faire le crédit. Hein, je l'ai pas fait de crédit pour le moment. C'est vrai que j'ai mis en place la série. Donc j'ai cheaté un peu le début parce que je pensais bien que toutes ces fabriques bah, coûtent cher, il fallait acheter du terrain. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas vraiment grand réaliste. On a pour ça la série Ma Petite Valaisie, pour ça le réalisme avec le mode saison. J'espère en plus cette série vous plaît bien et en plus bah, j'espère pouvoir bientôt semer. Il faut aussi que j'avance, c'est pour ça que je fais que cette deuxième série le dimanche, comme ça j'ai le temps de m'occuper de l'autre. En ce qui concerne cette série, là, Ma Petite Valaisie, vous me retrouverez sûrement lundi ou mardi pour la suite. Il y aura peut-être deux épisodes dans la semaine, on verra comment j'ai avancé. Et dimanche prochain, bah, on continuera ce dimanche valaisan avec cette map. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire hein, si ça vous plaît, parce que je veux voir un peu les retours que je vais avoir. Parce que je veux pas continuer cette série des dimanches valaisans si j'ai pas beaucoup de retours. Alors n'hésitez pas, les pouces bleus, tout ça, je ferai au bout de deux dimanches, je ferai un petit sondage pour voir si on continue ou on continue pas, voir déjà le retour. Alors, est-ce que j'ai déjà bientôt fini? Est-ce que j'ai tout fait les andins ici? Je crois bien. Bon, si on reste, tant pis. Hein. Mais ça va déjà me faire hein, pas mal de bottes. Ce qu'on va faire, on va lever. Oups. Voilà. On va lever, puis à la limite, je vais aller juste voir là-bas si j'ai tout fait. Et je crois bien que j'ai tout fait ici, parce que j'avais fait que deux tours là. Puis on va aller chercher l'arcusin. J'ai commencé déjà à ramasser ces babelles. Alors j'ai pris, je crois, je sais même pas si je l'ai déjà acheté. Je crois bien, ouais, je crois que j'ai tout ramassé ici. Alors ce qu'on va faire, hop, ça va se mettre. On va vider, hop. Donc, c'est bien. Ah, il faut peut-être l'arrêter si je veux vider. Voilà. On va plier ça. On va se remettre en vue, on va les ramener ça à la ferme. Ça, je vais mettre dans son hangar là. Je vais essayer de réunir un peu tout le matos qui est pour les foins, tout ça. Parce que du hangar, il y en a assez hein, pour ranger. Alors, par contre,
Ah ouais, ma barre de coupe là, je sais pas pourquoi elle est en travers comme ça. C'est compliqué à la ranger parce que les roues arrière tournent. C'est déjà difficile avec un dolly, il faut avoir le coup. Et là, je peux vous dire que c'est pas simple. On va déjà la remettre un peu long comme il faut. Voilà, ça c'est bon, c'est rangé. Je vais la recrocher, puis je vais la mettre le long hein, parce que ma moissonneuse est dans le hangar juste ici en haut. Mais celle-là, il a bougé tout seul hein, parce que je l'ai mis droit. Hop. Alors regarde, je vais me mettre en VCR. Regardez les roues arrière, comment elles font. Si je recule, normalement j'ai l'habitude de reculer avec un dolly. Alors je sais pas si elles se bloquent. Oui. Regardez, là je fais comme ça, mais regardez comment elles font déjà derrière. C'est compliqué. Pour ranger ça dans un hangar, j'ai essayé là-bas, vous voyez, la porte est encore ouverte. Et ben je suis pas arrivé. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ben, je l'ai laissé là long. Je sais pas pourquoi elle a bougé toute seule. Regardez, on va mettre comme ça. Peut-être quand même là, on va mettre là au bord. Joli, gentil loup. Voilà, regardez. Voilà. On va la laisser là. Elle va très bien. Celui-là, il va bien. Hein. Le classe, là, je peux vous dire. Ce qu'on va faire, on va poser. Bah, écoutez, je vais le mettre juste comme ça à l'entrée du hangar. Voilà. Le moteur et on va essayer de trouver un champ. Regardez, ouais, vous avez vu de la place, il y en a pour ranger ici. Bah, il y a déjà une première stabule de vache. Je crois qu'il y en a une autre. Bon, c'est une grande stabule. Regardez, ça c'est bien fait. Il y a le petit logo de la petite vache là et c'est bien fait pour amener les vaches. Ouh, il y a un bruit là. Là, on récupère le lait et la stabule, elle est vraiment bien faite. Regardez, il y a. Bon, je le trouve un peu gros, on dirait un arbre là, le piquet. Les barbelés et la stabule là. Il y a de la place pour ranger de la paille, tout ça. Elle est pas mal. Allez, on ferme. Ah, par contre, ouais, on pourrait regarder où on pourrait prendre de l'eau ici à la ferme. Je sais pas si à la ferme on peut prendre de l'eau. Parce que là, il n'y a pas de robinet. Mais il y aura bien un endroit, hein. De toute façon, je vais le trouver. Là-bas, c'est, je crois, pour faire la. C'est pas pour faire de la bouffe à cochon. Ah, bah, celle-là, elle est bien. Hein. Regardez. Je sais pas si. Ouais, on doit mettre ici. C'est un seed master. Sillage, ouais. Il y a pour les vaches, ça, c'est bien. On pourra mettre les directement. On voit pas partout, celui-là. Là, il y a les silos. En l'eau. Est-ce qu'il y a un passage, là? Non. Ah, il y a de la déco. J'aime bien. J'ai longtemps hésité pour trouver la map pour faire ces dimanches valaisans et j'ai trouvé. Alors, il y a des stocks un peu partout. Le cadre est sympa. Là-bas, bah, c'est où j'ai. Vous voyez, il y a encore un grand hangar ici qu'on peut mettre du stockage. Et ici, il y a une caravane avec un. Ah, bah, il y a la rivière là derrière. Peut-être que. On va voir. On va voir. Là, ben, c'est les silos à grains. Hein. Alors, il faut rentrer à l'intérieur. Là, il y a le poulailler. Et vous voyez qu'il y a encore des hangars ici. Ici, il y a l'essence. Et il y a peut-être une petite descente ici. Ah, ben, là, c'est quoi? C'est l'eau. Ça goûte l'eau, là. Voilà. L'eau, ouais, parce que c'est pas du lisier. Ouais, ben, voilà, j'ai déjà trouvé l'eau. C'est tout bon. Ben, ce qu'on va faire, on va regarder ici. Parce que j'ai quand même pas mal de terrain, vous voyez, j'ai toute cette partie là où c'est ici que je vais aller voir là vers le 32-33. Si c'est plat, on va aller ensemble. On va aller ensemble. Je vais juste remettre ça pour voir où je vais. On va aller voir ça. Est-ce qu'on peut passer? Ah, ben, on va passer par là-bas derrière. Tiens, je vous montre vite fait aussi. Les silos, vous voyez où devait. Ah ouais, il faut pas. Quoi que ça passe, hein, j'ai passé avec la grosse remorque. Le silo. C'est des bâtiments qu'on voit pas sur toutes les maps. Et on va aller voir ici. Vous allez me dire, bah, je suis obligé de gâcher un champ d'herbe, mais je vois depuis ici qu'il n'est pas tant plat celui-là. Bah, ici, on a le maïs. Alors, il faut que je regarde si j'ai mis la bigue. Vous voyez qu'il y a l'herbe ici, mais c'est pas très très plat. Ouais. Alors, est-ce que. De l'autre côté là-bas, bon ça c'est tout le champ de maïs.
Non, bah celui-là, on va te garder pour faire de l'herbe. Vous voyez, il y a quoi faire, hein, l'herbe, là, frère, à récolter. Donc, ça va pas ici, mais on va trouver. Il y a le 27. Ce qu'on va faire, on va se rendre direct au stockage de lisier. Regardez, il y a une grosse cuve, là, à lisier. Il faudrait pas tomber dedans. C'est pas une piscine olympique. Donc, le 27 est là-bas. Hop, ça va ouvrir. On va refermer. Parce que vous avez vu que l'autre champ d'herbe est assez grand. Ah bah peut-être ici. Peut-être qu'ici. On va essayer juste. Oh, j'ai pas beaucoup d'argent, mais juste voir si. Ah mais il va me dire. Ouais. On va prendre juste la petite serre là. Ah mais il faut que. 27. Donc il faut que je remonte. Que je remonte par là-bas. Donc vous voyez qu'ici c'est un de mes champs, donc on pourrait mettre là, mais bon je veux pas gaspiller un autre champ. Ouais, je voudrais aller là-bas moi. Et puis tourner. Parce que ici, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, j'ai ce petit emplacement ici. Vous voyez? Mais il y a des arbres au milieu, donc ça va pas, y a pas le faire. Quoique. Voilà. Je vais se mettre là, vous voyez. Vous voyez que là, avec ces arbres là au milieu, je ne peux pas. Regardez le champ là-bas, il est immense. Donc on va remonter maintenant par là-bas. Là, ici, il y a le petit restaurant qui est sympa. Alors là, je sais pas, il y a aussi des arbres. Non, mais c'est pas là que je veux aller. C'est par là-bas que je veux aller. S'il te plaît, vous voyez qu'ici je peux pas placer. Bon, c'est peut-être pas à moi. Là, on est sur le lac. Alors, on va remonter comme ça. Tac. Et on va arriver justement vers le 27. Juste regarder. Ouais. Donc là, on est. Ah oui, là, bah, je vois que l'arcusin, je l'ai déjà. Où c'est qu'il est ce champ 27? Ah, il est là. Ah bah oui, vous voyez. Mais je peux. Vous voyez que ici je peux pas. Et ici je peux. Alors ce qu'il faudrait faire. Je vais juste faire ça. Le problème qu'il y a, c'est je veux juste. Hop. Vous voyez que j'ai pas fait de crédit. Donc on va juste se faire un peu de crédit. Allez, 200 000 comme ça. De crédit. De toute façon, ça sera vite remboursé, je pense. Voilà. On va voir si on peut pas placer. C'est déjà pour faire la glace et tout. Ouais, bah voyez. Ah si on peut. Après il faudra que je lui fasse un petit chemin. On va essayer de. Vous savez qu'il y a. Est-ce qu'il y a une entrée? Vous voyez qu'on pourrait mettre plusieurs. Si je la mets, mais j'ai peur que ça déforme. Ah on va la mettre. Allez. Ah c'est pas mal. Ouais, bon, bah, vous voyez que ça. Si on sort, hop. Vous voyez que ça m'a tout déformé le terrain, mais c'est pas bien grave. Comme ça, j'ai pas perdu l'herbe, trop d'herbe, mais ça va. Vous voyez qu'il transforme énormément le terrain. Après, c'est pas bien grave. Hein. Ça fait jeu pas trop moche. Après, on arrive bien tourné. Il faudra. Ah ouais, ici, vous voyez que ça m'a creusé un peu. Ah, bon, moi, c'est vrai que je l'ai placé un peu comme un. Alors, est-ce que vous savez que je préfère, c'est une entrée, c'est ça. Il faudrait que je la fasse là, mais il y a ces buissons. Je vais regarder de mon côté. Alors, il me reste plus que 1940 euros. Vous voyez que ici, bah, il faut mettre du sucre et du sel. Alors, le sucre, il faudra peut-être que je mette la machine à. Ou est-ce que. On va juste voir un truc. C'est ici. Est-ce que j'ai. Si je vais là. Alors là, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a à rajouter? Parce que c'est con que. Si je peux pas acheter. Bon, du sel, je sais que je vais en avoir. Ah non, j'ai même pas. Donc il faudrait mettre la fabrique. Il faut que je trouve la fabrique de sel. Parce que ici. Si je regarde ici, j'ai. La farine,
J'ai pas mis le... Ouais, il faut que je trouve, mais ça, je sais où aller la trouver. À moins que ici, dans l'hiver, non, il n'y a rien. Il faut que je trouve pour faire du sucre. Alors, ça va être compliqué, mais on va garder tout ce terrain, vu que, à la limite, on verra si je place d'autres. Vous verrez ça dimanche prochain. Voilà. Juste en peut-être enlever ça. On va retourner à la ferme. Voilà. Bah écoutez les amis, pour ce premier épisode, on va rester là. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai plus parlé qu'autre chose, mais c'est un peu pour vous expliquer. La prochaine fois, bah, je pense que j'aurai peut-être placé une autre. Vous voyez qu'il faut faire des crédits, on verra si à la limite on fait des saucisses en premier, mais il faut que j'installe la fabrique de sel et de sucre. Il faut que je trouve ça, je vous tiendrai au courant. Ah oui, peut-être pas, bah, en parlant de courant, vous avez vu que samedi, dans ma petite Valaisie, j'ai eu des soucis avec l'autochargeuse, c'était bien l'autochargeuse qui était buggée. J'ai testé juste après avec une autre autochargeuse et ça fonctionnait. Donc voilà, je pensais pas qu'elle était buggée, mais voilà, elle est buggée. C'est bien ce que je le pensais quand même, hein, mais c'est vrai que ça a été comme ça. Bah écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche à vous, un bon début de semaine. On se retrouve pour ma petite Valaisie, soit lundi ou mardi, tout dépendra. On verra ça. Un bon début de semaine à vous. N'oubliez pas les petits pouces bleus, c'est important. Et puis voilà. Bah, tout de bon, comme on dit chez moi. Et à très vite, les amis. Bye bye.